Il ne faudrait plus qu'il fasse froid. Eh bien oui, il fait froid. Le docteur Kirzek s'en plaignait ici même hier matin, ce qui n'est quand même pas complètement une incongruité un 17 octobre, on en conviendra. Gérald, ce matin, vous avez eu envie de nous parler de la maladie de Raynaud, parce qu'il paraît qu'on en sait plus sur ce phénomène. Enfin, vous en savez plus, parce que moi, personnellement, je ne sais rien du tout. C'est quoi la maladie de Raynaud, déjà ? La maladie de Raynaud, et celles et ceux qui nous regardent et qui ont les doigts qui deviennent subitement blancs, puis bleus, puis ça fait mal, notamment quand il fait froid. Et voilà pourquoi on en parle, et parce que c'est en train de revenir. C'est-à-dire que les températures baissent, et quand on souffre de la maladie de Raynaud, eh bien, le froid est un déclencheur et des chercheurs viennent d'identifier l'origine. Et l'origine, elle est probablement génétique avec deux gènes, deux mutations génétiques. Alors ça, c'est l'article scientifique. Les gènes, c'est ADRA2A et IRX1. On s'en fout du nom. En tout cas, c'est des gènes qui codent pour le récepteur aux hormones du stress. Quand il fait froid ou quand il y a un stress, et le froid, c'est un stress, on a les vaisseaux qui se referment sous l'effet d'une hormone. Eh bien, les gens qui seraient atteints de ces mutations génétiques, il y a un des récepteurs, notamment à l'adrénaline, qui surréagit. Et donc, du coup, il va fermer les vaisseaux sanguins. Et ça explique quand il y a plus de sang qui passe, parce que le phénomène de Raynaud, c'est les vaisseaux sanguins qui vont se contracter, qui vont se fermer. Et donc, du coup, il n'y a plus de sang qui va passer, il n'y a plus d'oxygène qui va au bout des doigts, par exemple, parce que c'est une maladie qui provoque surtout une contraction au niveau des orteils et au niveau des doigts. Ben voilà, on a une des explications. Alors, vous allez me dire, OK, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Ben, c'est une piste thérapeutique, parce qu'on imagine bien que dans quelques années, si on a identifié le gène, on pourra potentiellement, avec une meilleure compréhension, envisager un certain nombre de traitements. C'est ça qui cause les symptômes alors ? Ben oui, les symptômes, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une hyper vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Et donc, il y a trois phases. Il y a la phase blanche, c'est-à-dire que les vaisseaux se referment. Il n'y a plus de sang au bout des doigts, au bout des orteils. Et puis, quand il n'y a plus de sang, ben, il n'y a plus d'oxygène. Donc, ça devient bleu ou violet. Donc, c'est vraiment ça tombe, non ? La conséquence. Ben, oui, ça peut. C'est ça pourrait tomber. C'est-à-dire que et heureusement, dans le phénomène de Raynaud, ça se revascularise. C'est-à-dire que les vaisseaux et l'organisme est bien fait. Ça se réouvre et les vaisseaux vont approvisionner en sang. Et donc, du coup, après, il y a une phase un peu de rétablissement de la circulation sanguine, qui est une phase rouge, mais qui est une phase qui peut être douloureuse. Mais il y a vraiment ces trois phases, blanc, bleu et rouge. Mais si les vaisseaux restaient fermés, ben oui, ça nécrose, bien sûr, quand il n'y a plus d'oxygène et quand il n'y a plus de circulation. C'est aussi sur les pieds ? C'est aussi sur les pieds, en fait, c'est toutes les extrémités. D'accord. C'est tous les petits vaisseaux, c'est toute la micro-circulation. Donc, c'est essentiellement les mains, parce que les mains, c'est quand même globalement ce qui est exposé au froid. Les pieds ne sont pas exposés au froid. Le reste n'est pas exposé au froid. Thomas, je vous vois rigoler. Donc, toutes les extrémités ne sont pas exposées au froid. Mais il y a des facteurs déclenchants dans cette maladie. Vous lisez dans mon inquiétude, docteur. Qui peut être primaire ou secondaire. C'est-à-dire qu'il peut ne pas y avoir de cause et on n'a pas de maladie sous-jacente. Mais il faut quand même. Et si vous nous regardez et que vous êtes victime de ce phénomène, parlez-en à votre médecin quand même, parce que le phénomène primaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause sous-jacente, bah c'est le phénomène le plus courant, mais ça peut être associé à une autre maladie, un lupus, une sclérodermie, des maladies type la polyarthrite rhumatoïde. Donc ça vaut le coup quand même d'aller chercher, de faire un petit bilan pour chercher qu'il n'y ait pas une maladie qui pourrait être une explication et donc un traitement, parce que c'est quand même ça l'objectif. Comment on fait avant qu'on identifie le gène, la machine, mais on ne sait toujours pas soigner. C'est toujours pas soigné, mais si c'est vraiment très gênant, on peut donner des médicaments vasodilatateurs qui vont dilater justement les vaisseaux. Et puis surtout, on va prévenir. Regardez ce que j'ai amené. J'ai amené mes gants, parce que ça paraît une méthode, tant qu'on n'a pas la thérapie génique, on a les gants, parce qu'il faut superposer. Le mec, il fait 4 minutes de chronique pour nous dire quand il fait froid, il faut mettre des gants. Il est fort, hein, Kirzek. Mais surtout quand tu as une maladie de Raynaud, il faut mettre des gants, même si les températures ne sont pas très froides. C'est-à-dire, si vous ne souffrez pas de la maladie de Raynaud, vous allez supporter le froid. En revanche, si vous êtes sujet à cette maladie, prenez des gants de manière préventive, superposez les couches, prenez un petit peu des chaufferettes. Et puis, en cas de crise, faut mettre les mains, faut frictionner un peu. On peut plonger les doigts dans l'eau tiède. Ça peut permettre, justement, on peut bouger les doigts, parce que quand on bouge les doigts, ça permet de rouvrir les vaisseaux, ça permet de refaire circuler. Une fois qu'on a compris d'où ça vient, et bien on sait qu'on peut le prévenir. Donc, l'eau tiède peut fonctionner, le fait de bouger, de faire des petits cercles avec les doigts. Voilà, c'est en attendant la thérapie génique. Mais juste, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais c'est vraiment très handicapant. Non, les doigts ne risquent pas de tomber. Okay. Ne vous inquiétez pas. Demain, le docteur Kirzek nous dira que quand on a soif, il faut boire et que si on voit mal, il faut peut-être porter des lunettes. Merci. C'est un vrai papier scientifique, non, et c'est un vrai espoir thérapeutique. Je vous taquine. Ceux qui en souffrent, ils n'en rigolent pas, Thomas. Exactement. Je vous assure. Ah ben, je...